Hello everyone, welcome to my channel. This video will be in French and English. So we're kicking off a series of videos about neglected food, a food that we see, that we know, but we don't eat, we don't use, though it is the healthiest one. It's about broad beans today in a tomato sauce that you can use as a side dish, or for vegetarian people it is perfect with cooked pasta and rice. As you can see, I'm starting with olive oil, with some frozen broad beans, and then I add all the other spices with the tomato sauce or tomato juice. I'll just switch to French to explain a little bit and come back to explain what we will need as ingredients. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble des fèves faites avec une sauce tomate qu'on peut préparer pour manger soit tout seul ou accompagné avec de la viande ou du riz cuit ou bien des pâtes, tout simplement. On aura besoin des fèves, bien sûr. Moi, j'ai utilisé des fèves surgelées. Puis, j'ai ajouté le tout d'un coup. J'ai saisi un petit peu, après ça on ajoute de l'eau puis on laisse. Là je vais tout de suite parler des ingrédients parce que je dois revenir puis parler des ingrédients en anglais. Ça va être un petit peu d'huile d'olive, 2 à 3 gousses d'ail émincées, persil, coriandre, un petit peu de persil, de coriandre, comme une demi-cuillerée à café, cumin, sel, poivre, curcuma, et paprika, bien sûr. On laisse saisir, on ajoute un verre de jus de tomate, une cuillerée à café de pâte de tomate, puis on laisse saisir un petit peu là, en genre de 2-3 minutes. Après ça, on ajoute un verre d'eau et on laisse cuire. Quand les fèves sont tendres, c'est prêt à manger, mais il faut quand même réduire la sauce tomate pour ne pas avoir l'accès d'eau. C'est tout. C'est simple comme bonjour. So, I'm back in English. As you can see, I just explained in French a little bit. Now I'm going to talk about what we will need. Of course, we will need, as I said before, broad beans, about 300 grams, 2 to 3 cloves of garlic, 1 or 2 glasses of tomato juice. It depends on how much you need of sauce. Olive oil, of course, at the very beginning, and a small spoon or a coffee spoon of tomato paste. The spices, we will need salt, pepper, paprika, cumin, chopped parsley and coriander, and a glass of water at the very end. We'll let simmer until the broad beans are tender, reduce the tomato sauce, and then it's ready. There's a little bit of something that I added. If you can see, like, through the video, it's preserved lemons. You can add them if you have them. If you don't have, it doesn't matter. It's just something that we can do without. Il y a un petit détail que j'ai oublié de mentionner. C'est des citrons confits. Si vous en avez, on peut ajouter comme un quart de citron confit, sinon c'est comme ça peut faire l'affaire sans citron confit. Comme vous voyez maintenant, c'est comme ça a commencé à cuire, c'est tendre, la sauce tomate est réduite, alors c'est fait, c'est cuit. Ça prend comme un genre de 30 minutes au maximum pour que ça cuit, et c'est bon à manger. As you can see, this is the end of the video, it's all done. The tomato sauce is reduced. My broad beans are tender, so you can, as I said, you can serve them as a side dish or for vegetarian people with pasta or rice. So don't forget to like and subscribe to my channel to get the new recipes, and have a good day and thank you.